Un conte. Ça t'accompagne, un conte. Ça éclaire tes pas et toujours plus à chaque reprise, à chaque lecture. Aujourd'hui, je te propose par-delà les remparts. Imagine le désert à perte de vue. Et maintenant, un homme, un musicien, Gilles. Un homme devant ce désert qu'il doit traverser pour rejoindre un ami. Et il s'y engage au petit matin, accompagné par Kamel, son chauffeur. Après un phénomène étrange qui ressemble à une tempête de sable, il se retrouve dans un village fortifié hors du temps, où un vieil homme demande à le rencontrer pour lui montrer des livres et lui parler de musique. D'une étonnante musique que l'on entend parfois par-delà les remparts. Le véhicule avançait maintenant comme sur un tapis de velours. Les chaos de la piste avaient complètement disparu. Gilles, interloqué, se tourna vers Kamel qui se tenait accroché à son volant, le regard figé devant le capot de la voiture. C'était une tempête de sable? Non, c'était pas la tempête. Mais ne parle plus, chef. Gilles ne se risqua plus à prononcer la moindre parole. Après encore un long moment, le chauffeur marmonna une phrase en arabe. Il crut reconnaître le mot « djinn ». Une fois de plus, il dut s'en remettre au silence. Mais en lui-même, il savait que, djinn ou pas djinn, il n'avait pas rêvé que quelque chose s'était passé dans le désert. Et puis ces sons de notre monde, cette musique au-delà des remparts, il la gardait au ventre et dans son cœur comme les grains d'une semence. Quand il croisa son regard dans le miroir de sa chambre, ses yeux le surprirent. Il eut le sentiment que c'était ceux d'un vieil ami.